Bienvenue, chers aventurières et aventuriers confinés. Je suis Chobiti et je vous propose pour ce troisième jeu de ma sélection à jouer pendant le confinement, Wolf the Red Hood Diaries. Si vous n'avez pas encore regardé les précédents opus, je vous invite à aller les visionner, même si les jeux sont complètement indépendants les uns aux autres. Ici, on va parler de Wolf, qui est un jeu d'aventure et de plateforme. C'est avant tout son histoire qui le place dans ma sélection. Même s'il nous faudra quelques compétences de jeu de plateforme pour y arriver. C'est un jeu en temps réel, qui est jouable en solo et qui est jouable à la manette, ça va être mon cas. Il est disponible en français, sachant que l'histoire, elle est sous-titrée en français. Les voix sont en anglais. Et il est disponible au prix de 9,99€. Sachant qu'il peut être trouvable à moins cher en période de promotion. Donc, comme son nom l'indique, on va jouer à un petit chaperon rouge, mais attention, il ne s'agit pas d'un conte de fées. Hein. On est sur de l'inspiration conte de fées, mais on est sur un univers qui est beaucoup, beaucoup plus sombre. Donc, on va passer au jeu. Pour vous faire la présentation, je vais reprendre le chapitre 1, qui va nous permettre de découvrir un peu les différents concepts, et surtout le background de l'histoire. My name is Red Riding Hood. I have no father, no mother, no fear. An itching urge for vengeance is what brought me here. My father died in a work accident 4 years ago today. Well, I don't believe in accidents. I believe someone should pay. I came back to the city in search of answers, and for the man who ruined my life. B.B. Wolf. So, in case you doubt it, this is no fairy tale, because there is nothing fair about it. I arrived 14 days ago and sought a place to hide. An old woman rented me this dusty attic, and since I must lay low, I left my room only at night. Donc, on incarne le petit chaperon rouge. Et on va pouvoir ici interagir avec différents objets pour avoir un peu de background. I hadn't set foot in Ulrica since I was about 8 years old. I heard about its downfall from the papers father brought home and the stories he then told. Though we lived in the forest, Father came to work here every single day and witnessed this once blooming city wilt and fade away. Donc, vous voyez en haut à droite, on a un système d'articles de presse en l'occurrence. Donc, j'ai déjà joué, donc j'ai déjà. Récolter pas mal d'infos pour mettre dans le journal, mais pourra aller voir. Granny hugged me goodbye with tears in her eyes. She handed me a basket filled with food. I promised to come back soon with answers and with BB Wolf's blood on my hood. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres éléments à interagir ? Oui. Today is a big day, for after 2 weeks of exploration, I'm off to break into the city archives and retrieve some information. I'm not after a bloodbath.
I want justice. So fingers crossed I get there without getting noticed. Voilà, donc là on a tous les éléments de base du background qui nous expliquent qui elle est, Petit Chaperon Rouge, pourquoi elle est là, avec l'histoire de la mère Grand avec qui elle vivait dans les bois, et surtout du père qui est mort et qu'il faut venger. Alors, on peut accéder au journal. Donc, comme j'ai joué, j'ai déjà débloqué pas mal d'infos. Mais voilà, on retrouve ici en fait un certain nombre d'articles ou de cartes. Ici, typiquement, c'est la carte qu'on vient de voir, la carte de la ville d'Ulrika. Et on va pouvoir se souvenir de ce qu'on a fait et de qui on a rencontré. Et comprendre aussi un peu plus le background de cette histoire. Donc, est-ce que je peux fermer cette chose-là simplement? Oui. Donc on va quitter ce petit logement et on va s'aventurer dans le monde. Donc, vous voyez ici, il y a un W brillant, donc c'est un autre article à rajouter dans notre journal. Et ici, on a un petit panier de provisions, c'est un point de sauvegarde. How this place has changed. The curfew cleared the streets and drapes went down along with the sun. B.B. Wolf's iron fist was like a punch to Ulrika's face, bruising the memory of his late father's reign and the city's glory days. Voilà, donc en tant que petit chaperon rouge, et surtout en tant que jeu de plateforme, on va pouvoir sauter, à pouvoir courir et d'autres joyeusetés. Donc on est quand même assez limité dans ce qu'on peut parcourir. Ça reste assez didactique, on va dire. Sachant qu'il y a aussi des petites choses qu'il faut aller explorer pour justement pour découvrir d'autres articles de presse. Pas courir assez vite. Voilà. Donc, on va pouvoir s'accrocher au rebord de certains endroits et on peut sauter. The only faces in Ulrika today are the ones on these posters. Hundreds of girls gone missing. Hundreds of families cut apart. Donc ici on ne peut pas passer, il va falloir passer par en haut. Et on atteint un nouveau point de sauvegarde. Oh, oh. Come on. That's not very pedestrian friendly. Donc pour l'instant on est vraiment sur la partie didacticielle. Mais voilà. On nous apprend aussi un peu à maîtriser les commandes et à éviter de se faire taper dedans parce que bon, après notre vie remonte, hein, c'est pas très grave, mais là j'ai été un peu très maligne.
donc ici. Over time, tin replaced flesh and blood. In the factory as well as in the streets, driving families into poverty and honest men to dishonest deeds. Donc, la plupart des objets avec lesquels on peut interagir, comme les rebords ou ici des tuyaux, sont visibles en surbrillance, ce qui aide un peu. Certains diront que le jeu est trop facile, mais faut savoir que tout ne repose pas sur la plateforme. Là, on est vraiment dans la première partie. Et on va devoir apprendre en fait comment ça fonctionne. Okay, so you guys keep on doing that and pretend I'm not here. Sachant également que tout ce qui est journaux sont beaucoup plus durs à trouver. Il faut réfléchir un peu pour y arriver. What a ghost town this has become. Donc elle est très bavarde. Hein. Mais c'est aussi le but du jeu. Donc on arrive dans une nouvelle zone. The truth behind my father's death was buried along with his body. Lips were sealed and the case was closed, but not for me. I had already lost a parent. This simply couldn't be. For weeks I cried, for months I couldn't speak, until finally I was done feeling so broken and weak. I asked Granny to teach me how to hunt and how to fight. Now, at last, I'm ready to make things right. Pour l'instant, c'est du classique. S'il n'y a rien, visiblement. Peut-être des choses à escalader. On va pouvoir se faufiler. Et commencer à découvrir un nouveau concept qui est l'interaction avec certains objets. On va pouvoir, par exemple, interagir avec ce levier-là. Et on va pouvoir interagir avec cette vanne. Donc ici ça a l'air plutôt simple, a priori il n'y a pas de combo particulier à faire. Well, at least Wolf was kind enough to install a cable ride across the river. Kudos. Un petit point de sauvegarde. Donc ici on ne peut pas sauter. On va donc s'accrocher au bord. Ah ben voilà. C'est bien qu'il y ait des choses que j'avais pas vues. Ben, je l'avais déjà. Oh, my biceps are gonna be sore tomorrow.
Donc, rebelote dans l'autre sens, s'il veut bien sauter. Donc, les gardes sont toujours là. Pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut pour nous battre. Voilà. Faut aussi très bien s'enfuir, hein, ça marche très bien. City archives, where the investigation of Father's death was put to rest. I must get inside. Yeah, no way I can sneak past those bastards. Donc là, on arrive doucement vers la fin de la première partie. Donc, là aussi, on fait un peu attention, on observe un peu. Et on saute au-dessus. Donc, ce n'était pas ça. Je peux bien sauter. Sans doute plutôt ça. On fait bouger les caisses. Et ensuite, on les tue. Back in boxes, where you belong. Voilà, ça a l'air déjà un peu mieux. Et on voit par exemple ici, il y a l'air d'avoir un passage. Si elle veut bien sauter, tu bien sauter ma chère. Ah, non. Voilà. Et... il faut avoir une bonne vision 3D. Ah, ici, il y avait aussi un petit élément pour rajouter à notre jeu. Donc je les consulte pas, je vous laisse un peu la surprise si jamais vous achetez le jeu. Donc ici, on joue tout en ombre et transparence, on est dans le bâtiment. These piles of paper, covered with dust and lies, might just contain a clue to help me uncover the truth. Suspect in the disappearance of Ulrika's women, and my father's death as well? Who is this creature from hell? An ugly face, hiding ugly secrets. And an even uglier contractor, so it seems. Looks like the sewer is my next stop. Well, I'm ready to crack open this can of worms. Now, how about a tin opener? Even better. Let's go find that filthy rat. Donc on a trouvé une petite hache qui va nous permettre d'être un petit peu moins dans le subtil. Donc, on nous donne les petits combos. Il n'y a rien ici à aller chercher. Alors, on va quand même y aller un peu discretos. Donc on perd un peu de vie. Mais on récupère des potions. Alors j'adore ce système de potions. Je sais pas si vous le voyez bien. Le petit bouchon est un loup, alors que justement, on va traquer Wolf. Je trouve l'ironie assez intéressante. Bien évidemment, c'est fait exprès. Hein. C'est un peu dommage que les ennemis n'aient pas de jauge de vie. Je sais pas forcément... souvent j'ai tendance à mettre soit trop de coups, soit pas assez. Parce que justement,
vu qu'ils n'ont pas de jauge de vie, faut être très attentif à quand ils ne bougent plus. Voilà. Ici, on a un petit cadeau supplémentaire. Et on va aux égouts. Mary sat beside me in third grade. Her hair was fair, her skin so bright. Her mind, not so much. She copied my homework. I ate her lunch. One day, Mary's mother sat in the principal's office crying. We instantly knew, yet another girl missing. Yet another mystery in tomorrow's paper. Her seat remained empty, as did mine the following day. Her father and Granny agreed the city was no longer a safe place for me to stay. Donc on y apprend un peu plus sur le background. This is a part of town I've never been before. Wouldn't recommend it to visitors, that's for sure. Et on va pouvoir commencer. Home to rats and bats and to that musical piece of kidnapper scum. I can't wait to break his flute and make that bastard forever mute. Voilà, pour s'amuser avec des petits pièges. Avec un petit peu de dextérité et un petit peu de rat à tuer. Il en reste un. T'es bon, t'es mort. C'est bon, t'es mort. Un petit point de sauvegarde, on va aller par là, voir un peu ce qu'il y a. Je vais doucement. Granny taught me how to hunt, how to fight, and how to run, but not swim. On voit qu'on aura un indice par là. Mes indices sont clairement juste pour l'histoire. Vous pouvez vous en passer, même si. Ça reste, enfin, moi en tout cas, ça fait partie des choses que j'aime bien dans ce. Mais. Laisse-moi les tuer, les rats. Ça fait partie des choses que j'aime bien dans ce jeu. C'est tout à fait le background de ce. Petit jeu. Donc, on a encore des rats à tuer. Voilà. Sachant que maintenant on a une hachette, on peut. Casser des caisses. On va peut-être pas passer par là, ça m'a l'air un peu cracra. Un petit point de sauvegarde et une petite vanne. Donc, en fonction des chapitres, on va être dans des endroits différents. Donc on a été dans la ville, là on est dans les égouts. Il y en a d'autres, bien évidemment, sur d'autres endroits. Parce que je ne vais pas vous montrer tout le jeu. Voilà, donc on a débloqué des petites plateformes mobiles. C'est parfait, donc on n'oublie pas de réactiver la vanne. Vous voyez, les points de sauvegarde reviennent assez rapidement. Mais ça peut faire partie des choses qui sont un peu gênantes avec ce jeu. C'est que si vous le quittez, vous recommencerez au début du chapitre. Donc pour certains endroits un peu complexes qui demandent bon skill,
de saut et de plateforme, eh ben, ça peut être un peu rébarbatif et un peu ennuyant pour les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs joueurs pour lesquels la plateforme n'est pas leur tasse de thé. Donc je vous conseille quand même de choisir ce jeu si vous le souhaitez, uniquement si vous avez des compétences en saut et en plateforme, ce qui n'est pas forcément toujours mon cas. Et donc, ici vous voyez le petit indice, on peut toujours pas y accéder. Mais peut-être qu'on peut tricher un peu, et peut-être... Voilà. Vous voyez, c'est un jeu qui aime bien ce genre de choses. Il y a les choses visibles, et en même temps, il y a les choses invisibles. Les petits passages qu'on ne voit pas, et qu'on devine seulement. Donc, faut être assez attentif. Là, j'y vais. Je vais être honnête, j'ai refait le début du jeu pour pouvoir faire la partie, pour me souvenir un peu déjà de comment ça se jouait et pas mourir trop souvent. Même si je sais que c'est pas sur cette partie que je suis la plus mauvaise. Par contre, là, je sais que je suis un peu plus mauvaise parce qu'il y a un timer. On va le découvrir ensemble. Ow, ow! Holding my own feet to the fire wasn't exactly what I had in mind. Oups. Voilà, donc on retourne ici, hein, donc dernier point de sauvegarde. Donc... Là ça va, c'est pas trop loin, mais du coup les rats sont de nouveau à tuer. Voilà. Est-ce qu'on peut aller par là? Essayer de récupérer cette chose-là. Pas l'impression qu'elle puisse s'accrocher au bord de la fenêtre. Mais ah, c'est ce que je pensais, ici on va mourir. Donc voilà, on commence à arriver sur des parties où il faut réfléchir un petit peu pour trouver le bon chemin et trouver ce qu'il faut faire. On va essayer de finir cette partie. Et après, j'arrêterai la vidéo. Hop. J'ai peut-être arrêté la vidéo tout de suite, hein. Ça vous évitera de me voir mourir un peu trop de fois. Je pense que vous avez vu un peu l'esprit du jeu. C'est surtout l'histoire qui est intéressante, je trouve, sur ce jeu. Même si, du coup, il faut savoir se battre un petit peu. Et il faut savoir sauter. Et bien sauter. Savoir où on va. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce... à me dire si vous avez apprécié ou si vous n'avez pas apprécié cette vidéo. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour le prochain opus. Donc on jouera à un frais jeu de plateforme pour le coup, qui s'appelle Fez, qui est un classique du genre. Et je vous dis à très bientôt et bye bye.